Ok. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Désolé de ce gros retard. Désolé de ce petit retard. Enfin, gros retard. Des choses à faire. Alors, que je récupère le chat. J'espère que vous m'entendez bien. Ok, on est prêt. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Encore une fois, je dis bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour Gears 5. Gears 5, un jeu excellent. Un jeu à faire, hein, franchement. Ça fait longtemps que je devais le faire, ça aussi. Attendez, parce que je dois envoyer un message ou deux. Voilà. Alors bien sûr, je vais refaire une partie puisque j'ai quand même testé le jeu avant de jouer pour voir s'il n'y avait pas de problème technique. Et donc, tout marche. Donc, c'est parti. C'est parti pour le long kiki. J'ai baissé un petit peu le son parce qu'hier, je ne me suis pas rendu compte, mais le jeu était très fort. Très, très fort. Alors que je vous présente un petit peu ce jeu, vous avez le mode multijoueur. Le camp d'entraînement, un sale gueulin, le bonus, le fameux Wally Update, je sais pas ce que c'est ça. Action. D'accord. C'est de l'e-sport sur Gear of War. D'accord. Sélection. De nouveaux marchés, ok. Ok. Bon, on va pas faire du multijoueur, hein. On va rester dans la campagne. On va faire un nouveau. Alors, on va une nouvelle partie. Nous lancer une nouvelle partie campagne depuis n'importe quel chapitre déverrouillé. Lancer une partie de campagne depuis n'importe quel chapitre déverrouillé, c'est extrêmement pareil. Charger votre partie depuis un autre emplacement et personnaliser, trouver une partie personnalisée, rejoindre. J'ai que la vôtre. Bon, on va faire celle-là. Nouvelle partie. Allez, c'est parti. Ok. On envoie. Lancer campagne.
Et on envoie, on envoie, on envoie. Utiliser la tronçonneuse du Lanzor. Conseil, maintenant, je crois. Laissez derrière les ennemis qui durent. Attendez l'icône d'exécution qui apparaît pour les éliminer. Bon, ben après, à part ça, quoi vous dire de plus? Eh bien, on avance dans notre petit jeu. Tout mignon qu'il est. Pixel art. Donc, ouais, c'est un style pixel art. Hein, peut-être je vous le présenterai, je sais pas. Peut-être pas aujourd'hui, hein. Non, ça, il va falloir attendre. Il va falloir attendre. Ouais, désolé si la caméra est pas sublime. Hein. C'est parti. Maintenant, je dis plus rien. Je laisse ça là. D'accord. Écoute, tu sais tout aussi bien que moi qui peut nous aider. Notre village s'est fait attaquer. Et ma mère s'est fait enlever. Enlever? Pas, je crois que tu devrais regarder ça. Merde. Les gars? Dis donc, tu m'as dit que c'était pas la CGE qui comptait. Ouais, mais ça, c'était pas tout à fait vrai. Faut traverser le fort et atteindre la mine d'osmium abandonnée de l'autre côté. Parce que la CGU y a acheté quelques milliers de cadavres de locustes après la guerre. Alors si votre vermine est liée à toutes ces larves, c'est là-bas qu'on se rend. On devra se débrouiller seul. Merde. Voilà, c'est parti. Et on sait où vont les écumes. Mon père est vivant et il est là-dessous, ok? Voilà, on a retrouvé un petit peu le résumé du jeu de Gears of War. Un peu toutes les séries de Gears of War. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal, il y a pas mal à dire. Enfin, il y a eu une sacrée saga là aussi.
En ce moment, il est sur des sagas quand même. Hein. Si vous regardez bien, à part Days Gone qui n'est pas une saga, mais sinon. J'espère que ça vous plaît. C'est très très beau déjà. Très beau de niveau graphisme et tout. Ça, c'est le rêve qu'elle était en train de faire. Ah ben, c'est pas un très beau rêve. Permettez-moi de vous le dire. Kate n'est pas prête pour ça. Elle peut à peine garder les yeux ouverts. Ne t'en fais pas pour elle. Elle peut le faire. Ok. On est presque aux coordonnées de merde. Bienvenue à Azura. Ok, c'est magnifique, hein, franchement, c'est sublime. C'était quand la dernière fois que t'as dormi? Cette nuit, environ 8 ou 9 minutes, ouais. Des cauchemars? Ça passera. Tu finiras par t'y faire. Ah. Ok, voyons ce qu'on a. Un trou. Allez, on se prépare pour le largage. Qui saute en premier? En tout cas, ce sera pas toi. Del, je vais bien, d'accord? Ouais, c'est ça. Ah ouais, oh, elle a oublié de s'accrocher. Merci, Del. Sam, on va descendre. Bien reçu. On vous attend ici. Allez, à toutes. C'est parti. Dave, tu t'amènes? Ok, contrôle, on se déploie. Contrôle? Sérieusement? J'ai un nom. Contrôle. Les règles sont les règles, merde. Enfin. Et on en enfreint suffisamment comme ça. Jill peut rien dire si elle n'est pas au courant. C'est à moi de décider, ok? Ok. La première ministre, elle peut passer à sa bombe. Ce qu'elle fera sûrement. Dis-nous juste où aller, contrôle. Je vais faire de mon mieux. Mais n'oubliez pas que personne n'a mis les pieds dans cette installation depuis 25 ans. Ouais, c'est plutôt évident. Vous n'êtes pas là pour vous promener. Vous devez lancer un vieux prototype de rayon de l'aube. Et d'après tes infos, un des silos est intact, c'est ça? Ouais, on dirait. Emmenez-les dans une salle de contrôle opérationnelle. On gérera la séquence de lancement. Du coup... Je sais pas où je me rappelle où il faut aller. Bon, si, il faut aller là. Comment on fait pour monter? Non. C'est pas ça. Ouais.
Faut le savoir. Ok. Putain, c'est quoi ce bordel? Aïe, aïe, aïe. On explore, on explore. Il y avait quelque chose là? Non, il y avait rien. Dave, lumière. N'oubliez pas, il y a un immense cimetière locuste sur cette île. S'il est clos, on sera submergé par la vermine. Tu parles d'une façon de revenir à Azura. Ouais, si on arrive à lancer ce satellite, on pourra cramer la vermine. Hé, hey, attention! Non, mais... Oh la vache! Oh putain! Comment on est censé explorer un endroit qui s'effondre? Vite! Venez, on peut suivre cette corniche. Ok. On va essayer. On va essayer de passer par là. Hein. Le plan de Baird de lancer un satellite d'ici me semble un peu mal foutu. Ouais, Baird est un spécialiste des plans foireux. Comment Baird a su qu'il y avait un satellite du rayon ici? Ok. Mon père. Avant de mourir, il a confié quelques-uns des secrets de la CGU à Baird. Et cette île, elle en est truffée. J'aurais peut-être pas dû courir. Hé, hey, par ici, ça pourrait servir. Ouais, je fais comment pour l'avoir, ça? LT. Non, on va te cadailler. Ça marche pas. Ah, merde, je me trompe de bouton. Ah putain, je sais plus. C'était quoi qui avait marqué? Et ça marche pas. Non. Comme ça, on peut durer le temps. Bon ben... Les boutons ils marchent pas. Putain. Non, c'est pas ça. Changer les armes. Attendez, hein, je regarde les options parce que là, je sais pas du tout les paramètres de la manette. Alors, se déplacer, utiliser un couvert enjambé, ok, un couvert enjambé, c'est ça. Viser, déplacer des éléments, cliquer pour courir, accroupir, s'accroupir, un couvert. Chaque carte, ok. Recharger, réanimer, bouclier humain, maintenir pour ramasser. Ouais, mais il me dit LT. Petit animé, bouclier humain, maintenir. Ah ouais, mais je sais pas. On va essayer encore une fois, hein. Non, ça marche pas. Je sais pas comment il fait lui. Hein. Ce que je veux, c'est récupérer cet outil là-bas. Mais je peux pas.
Voilà, que j'appuie, ça recharge. Ah ben merde. Il y a un problème avec la manette ou quoi? C'est pas possible. Attends, c'est peut-être ce bouton. Non, ça c'est le bouton de charger. Ah non, il fait tout le temps que charger avec ça. Il ne fait pas de fonction. Dave, impulsion. Voilà, Dave impulsion. Alors ça c'est les impulsions. Allez, désolé, je suis bloqué. Et je fais que charger mon arme. Bon, moi je peux pas aller le chercher. Ah, mais ça m'emmerde parce que je peux pas avancer dans le jeu, moi, si je sais qu'on n'est pas les configurations. Putain, mais c'est pas possible, comment on fait pour charger sur Jack? Voilà, ma manette déconne, encore une fois. Défaut. Il y a peut-être quelque chose qui... Ouais. LT. Elle marche pas la manette. Maintenant, elle ne fait plus rien. Ça, c'est le tir. Ok. Ah ouais, d'accord. Elle est tout. Elle est toute. Elle déconne complet. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Paramètres, fichier, le COVID. De la manette. Comment que ça se fait que je ne peux pas avoir les trucs de ramasser avec l'autre? Hijack. Menu Jack carte. Non mais comment il fait pour ramasser? Oui, je perds des trucs là parce que j'ai pas la... Non mais ça c'est vrai, mais c'est pour ramasser quand tu es dessus. Esquiver, visé, capitaine. Bon, mais écoute, on va continuer comme ça puis on verra bien. Tant pis, hein. Si on meurt, on reprendra. Hein. Bon, mais je comprends pas. J'avoue, je comprends pas pourquoi je peux rien faire avec Jack. Je m'attendais pas à ce qu'il reste des corps ici. On est vraiment très peu à épreuve de la Jura. Je réfléchis. Je sais pas, j'arrive pas à le commander, Jack. Ouais, je suis en train de regarder ce qui se passe. Oh putain. Je croyais que c'était un FPS, moi je me rappelais plus que c'était ça. Voilà, là ça marche. Hein. On passe à travers. Alors là, il faut la tronçonneuse. C'est pas ça. Allez, où la tronçonneuse? Attention à l'explosion!
Hangar B. Ouais, c'est bon. Il n'y aurait pas que je l'ai utilisé, hein. Pourtant, je l'avais déjà fait, mais je me rappelle plus. Faites gaffe, il y a encore des éboulements. Wow. Ça rigole pas, hein. Pour qu'on sache à quoi on a affaire. Ah, les voilà. Je m'occupe de lui. Allez, on les bute à couvert. C'est parti. En haut sur la gauche, flanquez-les. Balance une grenade si t'en as une. Oh, moi je tire. Encore des drones. Et pas de grenade. Attention. Garde l'explosion. Je crois qu'on les a tous eus. Oh, il y en a encore un là. Putain. Il en reste plus qu'un. C'est bon, on les a tous eus. Oh, ok. Locuste d'Azura est actif. Merde. Ok, le Condor reste en l'air. Faites-moi signe si vous avez besoin de renfort. Les tirés d'affaires pour l'instant. Delta terminé. Allez, on doit trouver petit un silo. Un petit peu de pharmacie. Ne les ai pas tous détruits. C'était pas la pharmacie, c'était des balles, mais bon. Là où il y a la pharmacie, non ? Ah mais je pourrais pas y aller là. Oh écoute, on va continuer, hein. Allez. C'est parti. Kate, ces migraines sont... Ça va, d'accord ? On doit trouver le silo. Honnêtement, t'as pas l'air d'aller bien. Attendez, hein. Il y a trop de ruches actives. Partout où on va, c'est un nouveau cimetière. Raison de plus pour réactiver le rayon de l'aube. Espérons que Jean soit du même avis. Hop, j'ai perdu. Attendez. Je reçois un message. Ouais, ça fait longtemps, oui.
Allez, c'est parti. Bon, après que je m'endorme. C'est pas le but, hein, mais bon. Ok, c'est parti. Ouais, j'aurais peut-être changé d'arme. C'est bon. Un grenadier. Il est défoncé, le grenadier. Attends, comment jette les grenades? C'est ça, je sais pas les boutons. Ok. Il y a l'autre là-bas. On change d'arme. Le Lanzor. Et voilà. Bon, on les a tous eus. On les a tous eus. Maintenant, on va ramasser ces petits peu. Berg, on a trouvé un des silos, mais il est en ruine. Eh bien, il en reste encore deux. Et l'un d'eux est opérationnel. J'espère que t'as raison. On a déjà mis fin à la guerre une fois sur cette île. Quand on aura déployé le satellite, on pourra recommencer. T'as tout compris, mon pote. Terminé. Ah putain, comment on fait pour marcher? Ah, c'est pas trop commode, hein. Quand tu connais pas les commandes, surtout moi. Oh putain. Bon. On continue. Notre périple. Là, je sais pas où on va. Hein. Mais on y va. Apparemment, on est dans un silo. Ça. Oh. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. Ah, mais ça tourne en rond. Apparemment, par là on peut pas y aller. Hein. On
Attention des armes. Attends. On ramasse les munitions. Hein. Bon. Non. Ah, on peut pas passer là. Si on peut pas passer par là, on peut pas passer par là, on passe par où? Où? Ce bordel, putain, c'est... Il y a un truc que je comprends pas. Putain, je l'ai fait la dernière fois, je m'étais venu démerder. Ouais, je l'ai fait. J'ai pas fait un entier, hein. Je rappelle que j'ai testé un petit peu. Ça y est. J'ai trouvé le mal. Lanza. Ok. En fait, j'avais le Lanza. Je sais pas si je le sais, mais... J'avais le Lanzor. Et là, on atterrit au puits. Bon, impossible d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il reste de cette base au juste? On va le découvrir. Prenez à droite, nous, on va à gauche. On va trouver ce silo. Ça marche. Mais on reste en contact. Ok. T'es sûr de ton coup? Il y a deux silos, il y a deux chemins. T'as une meilleure idée? Ouais. Bon, bah allez. Parti. Deux silos, mais il y a un seul truc. Del, la trappe, saute. Ouf, voyons qu'on a. Ça ressemble à un tunnel d'échappement, mais est-ce qu'il sort du silo? Il y a qu'un moyen de le savoir. Ouais, il y a qu'un moyen. En plus, c'est les rejetons, quoi. Ah, il tire un coup. Ils sont passés où? Il y en a d'autres? Allez, on s'arrête pas! Attention. C'est bon. Bah, c'est pas moi qui l'ai eu, mais bon, on l'a eu.
Wow. C'est bon, ils sont tous morts. Eh ben. Nous trouverons un moyen de sortir d'ici. Eh ben. Il y avait du combat. C'était quoi ça, maintenir... Bien, cette porte nous permettra de sortir. Ouais. Ouais, c'est plutôt celle-là, la porte. Je sais pas comment on va l'ouvrir, mais on va essayer. Dave, tu peux l'ouvrir ? Eh, tu sais quoi ? S'ils veulent transformer cet endroit en ruche, qu'ils le fassent. Une île isolée à des centaines de kilomètres de la côte. Faut juste s'assurer que ça arrive une fois qu'on sera parti. Ouais. Tu vois, Dave a pigé. Allez, trouve un stylo. Oh putain, oh que ça glisse. C'est parti. Oh, oh là là. Ah, ça glissait, hein. Tu parles d'un silo. Passe en dessous. Oh non, on a de la compagnie. Wow, 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 y a du monde. Y a du monde. Je vous vois. On pourra vous couvrir de là-haut si jamais ça se complique. Ça risque de se compliquer. Ah ouais, on va s'occuper d'un ou deux. Ah, ça fait comme Days Gone. Il est où le drone? Viser ce drone, quel drone? Ouais, mais quel drone? Il n'y a pas de drone. Ok, maintenant, feu à volonté! Donne-moi. T'es sûr, parce que là, ça tient. Ouais. Oh putain. Arrête ça. T'es sûr? Ouais, j'ai tiré dessus. Putain, mais ça... Putain, mais pourquoi le vivo... Ah, non. Attends, je charge d'armes parce que ça va pas, ça. Ça sert à rien. Ramasse tes gants. Ok, ça a l'air bon. Ah, il y en a d'autres. Ils sont loin. Après celui-là. Prends ça. Je m'en suis occupé. Ah ouais, celui-là, je m'en suis occupé. Pas mal le combat quand même.
Ok. Suivons. Attends, il faut que j'aille chercher un lanceur. Attends. Y a pas un lanceur là ? Si. Pas le prendre, merde. Te laisse pas dans la merde. Oh merde. Oh merde, comme on dit. On s'y est mal pris. On aurait pas dû prendre le bazooka là. On aurait dû prendre le ring que la mitraillette. On avait plein d'armes. C'est quoi le kilo max? Ah bah bon. Oh non, on a de la compagnie. Ouais, là tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est chaud, hein. Belle, on a un nid. Balance une grenade pour le fermer. Suivant. Pas sûr, parce que là... J'attends que la vie revienne. Plus de tête. Attention. Concentrez vos tirs sur ce drone. Il est mort, lui. Attention à l'explosion. Ok, bon, là, c'est bon. Il est mort. Ah, il est là-bas. C'est un peu le principe qu'il y avait dans un jeu là, je sais plus si c'est Call of. Où tu te caches et tu tires en même temps. Je sais pas si vous vous rappelez. Il est où ce con? Il a bien fait de dire de se planquer.
Ça, c'est du bon tir. Ok, là. Je sais pas pourquoi il faut que je fasse ça. Putain de merde, j'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. C'est à moi maintenant. Attends, il sort. Ah, bah. Va me battre. J'arrive pas à l'avoir celui-là. Faut que je m'approche plus. Surtout s'il est tout seul. Oh. Voilà. Mais elle rebondit cette mitrailleuse. Hein. Il y a du rebond. On est un peu occupés là. Allez-y tous les deux. Bien reçu. Attention, vermine. Il y a celui-là là qui est merde. Elle remonte à la mitrailleuse. Hey, c'est moi. Putain, j'arrive pas à l'avoir celui-là. Ah merde. J'arrive pas à l'avoir. Oh putain, c'est quoi ça? Contrôle, on a besoin de ces renforts tout de suite. Votre commandeur est presque à portée, Delta. Ok petit, les renforts arrivent. J'ai des gardiens des DR1. Tu veux quoi? Gardien triple. Gardien. Oh putain, je suis en train de me faire tuer. Ah, je peux pas monter. Oh merde. Et ils ont mis trop de temps. Ils ont mis trop de temps à venir, leur putain de gardien. Ouais, bah je descends pas, moi. Je reste de loin. Et je vais tout dehors. Je vais dehors comme ça. On va l'avoir. J'arrive pas à l'avoir lui. Putain. Oh. J'arrive
Je m'en suis occupé aussi. Ok. C'est parti. Voilà, si je descends, il y a l'autre qui arrive. Ouais, je peux pas monter et descendre. Ah, je suis bloqué. Oh merde, un transporteur. Contrôle, on a besoin de ces renforts tout de suite. Et moi j'ai besoin de me cacher. Bon ben on va courir hein. Saloperie. Ok, explosé. Pas encore, putain. Les voilà, enfin. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent les trucs? Ah, LT. Ok. Il y en a un qui sécurise la zone et l'autre qui vient avec nous. Nickel. Bien reçu. Putain, j'ai pas d'horloge. Ok. C'est bon. Alors là, je fais quoi? Ah, mais j'y arrive pas, hein. J'appuie sur LT. Ça marche pas. Attends, viser. Ah ouais, mais viser, c'est ça, viser. Ah ouais, mais c'est... Je confonds LB et LT. Mais c'est pareil, hein, je vise. Hein. Mais je sais pas où c'est qu'il faut interagir. Attends que je suis con. C'est pas sur ce truc qu'il faut interagir, c'est sûrement... Attends, il peut pas se pousser lui. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a pas d'interaction. C'est viser avec LT. Il n'y a que lui en bleu, il n'y a rien en bleu. Ça peut-être. Allez, j'ai trouvé. Et là, tu fais ici et tu envoies le bot. Dave, inspecte ce panneau. Voilà, mais c'est bon, c'est pour ça que tout à l'heure, je ne suis pas arrivé. Voilà. Bon, ça y est, c'est revenu. Je me rappelais plus qu'il fallait viser. Waouh, Delta, vous pouvez me dire ce que Dave a fait? J'ai reçu un tas de données bizarres. Genre top secret. A priori, il est en train d'ouvrir une porte. C'est bien plus que ça. Eh ben, en tout cas, la porte est ouverte. Voilà. Merci, Dave. Nickel. Avec notre mission? Non, mais je dois savoir où sont ces infos. J'imagine que ce qui manque a été retiré du réseau. Toi, je cherche. Cherche un petit peu. Le commandant de l'installation. Trouvez son bureau et jetez un œil. Ok. Ouf, celui-là, il est pas fort.
Scan de l'environnement. Détection d'une ancienne technologie inférieure de la CGU. Oh, sérieux, ça se fait pas. Attends une minute. Ouais. Un commentaire, un doute, n'hésitez pas à contacter le ministère de l'économie. Ok. Oula, là, c'est quoi ça? Ah, bug. J'ai plus le chat, hein? Putain de merde. J'ai touché un truc que j'aurais pas touché. Ça y est, j'ai retrouvé le chat. Allez, c'est reparti. J'avais touché le chat. J'avais plus que les. Bon, écoute, on cherche, hein, y a rien. Hein. Y a a priori. A priori, ça c'est quoi ça? Voilà les plats que je m'en fous, c'est les balles que je veux. Voilà. Ah, c'est le pistolet court. Oh putain, c'est où que je vais? Je pense pas que ce soit une bonne idée d'aller là. Je pense qu'il faut aller là-haut, mais avant je fouille. Et je vais essayer de le faire à la clavier manette. Le clavier souris plutôt. Je vous promets pas que je vais y arriver bien, mais bon, on va essayer un petit peu de s'entraîner. Ouh là là. Par contre, je connais pas les touches. Si j'ai un petit problème. On va aller là. Et je sens qu'il faut aller par là. Non, c'est pas une impression. Non, c'est pas une bonne impression. Là. Oh, c'est l'autre côté. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Hein.
Je sens qu'il va falloir se coucher. Oh putain. Merde. Un sion. Deathbot, sur lui. Affirmatif, lieutenant. Destruction imminente. Repérez. Bon là ça va être difficile. Hein. Hey, merde. J'y vais. On a perdu nos renforts. Avancez. J'arrive. Je suis de ça. Ah ça, il est à côté de moi, lui. Planquez-vous. Ouais. Pas mal joué, pas mal du tout. Et là, je reconnais que j'ai bien... Merde, j'ai oublié qu'il y avait les autres. Attends, où c'est qu'ils sont joueurs, hein? Celui-là, il n'y a rien. J'ai plus de balles nulle part. C'est quoi ce délire? Ah, mais il faut que je trouve des balles. Je trouve des balles avant que je meure. Dans... Il n'y a que ça. Comment on fait pour changer d'arme? Je sais pas. Oh putain. Ça a rien de bon. J'ai détruit l'autre, mais j'ai pas détruit celui-là. Et pour ça, il faut que je puisse changer les armes. Je... Voilà. Ouais, j'arrive. Un dégagé. Sors la tête. Ah, faut que je m'approche. Putain. Ah, j'arrive pas à la... J'arrive pas. J'avais pas, je peux le bon arme. Ça c'est mieux déjà. Ah putain, c'est chiant. Il n'y a pas de munitions. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse sans munitions?
Et ouais. Il n'y a que le pistolet court, mais il est trop court. La portée est trop courte. Je sais pas, c'est... On a tué le gros, mais on n'a pas tué le petit. Putain, j'avais pas le... Ça y est, je l'ai eu. Bon, il en reste un. Comment tu fais pour monter? Attention à l'explosion! Je sais pas comment tu montes là. Ah oui, il est là-bas. Prends ça. Ça y est, c'est fini. Maintenant, ok. Trouvons ce bureau. C'est censé ressembler à quoi le bureau d'un commandant? J'en sais rien. J'imagine une grande porte avec une plaque et commandant écrit dessus. Bien sûr. J'aurais dû le penser. Attends, on peut voir s'il n'y a pas des armes à récupérer, des munitions. Ça serait pas con, ça. Hein. Non, Lanzor, j'ai pas. Non. Ouais, mais le Lanzor, il est toujours démuni de balles. Il est toujours démuni. Je cherche des balles. On ne voulait pas, mais je cherche des balles. Bon, ben là, il n'y a pas de balles. Oh, putain, je vais... Ça n'est pas ça. Enfin, ça c'est les munitions. Et là il y a rien. Hein. Ça a pas l'air d'être ça. Ouais, je tiens plutôt vers là-bas. Ben, attends, parce qu'il y a encore des trucs là. Del, le bureau du commandant est par là, mais la porte est fermée. Ah, et il faut l'ouvrir. Je suppose. Attends, une idée. Dave, entre dans ce conduit. Va voir où il mène. Bon, Berg veut les données manquantes, c'est ça? C'est censé ressembler à quoi? Bon, ben, si on les a extraits du réseau, elles doivent être sur une sorte de disque dur externe. Bien ok. Joué. Pas mal, pas mal. Je reconnais que c'est pas mal. Bon, jusqu'à maintenant, on fait du bon combat. Hein. Le bureau du commandant, faisons le tour. Oh, elle est mort un peu, mais... Dave, ouvre ça. Voilà. Hey, contrôle, bonne nouvelle, on a trouvé le disque dur. Bien joué, Delta. Hey, vous savez ce qui nous ferait plaisir? Des renforts. Quoi? Vous êtes où? Le silo. On l'a trouvé. Et on est encerclé. Ah, merde. On arrive. Aïe. Et là, ça va canarder encore. Mais j'ai plus de munitions. Alors, je sais pas avec quoi je vais canarder, moi.
Ouais, t'as que je vais prendre celui-là. Ah, j'en ai déjà eu. Oh merde, pas par là! Ouais, je sais, mais je cherche. Je cherche pas les mecs. Ils explosent pas ou quoi? Ah, il faut sauter. Merde, t'es pas. Voilà. On peut pas vous laisser seul 5 minutes. Ouais, je suis mort de rire. Aidez-nous à faire le ménage. Avec ça, je vais faire la même chose. Hein. J'ai plus de balles. Faut vraiment que je récupère un fusil. Bon, alors on va changer le maître qu'on a avec. Le grenadier. Oh, pour les deux d'un coup. J'y vais. Merde. Ah, c'est pas commode quand je suis en mode sans arme. Putain. J'ai rien, hein. C'est que des merdes. Je l'ai raté. C'est bon. La salle de contrôle est dégagée. C'est sympa d'être venu nous voir. Oh, pas de problème. La fusée est intacte. Putain, mais pourquoi il n'y a pas de. Tiens, trouvez un port pour que Dave se connecte. Si ça fonctionne, il avancera le lancement. Bande des armes. Ah, elle peut pas. Putain. Je sais pas pourquoi les Lanzor, je peux pas les prendre. À toi de jouer. C'est parti. C'est parti, contrôle, c'est parti. On y est. Tu peux lancer la séquence. Niveau 1 pressurisé. Lancement initié. Delta, on a un problème. La trappe du silo ne s'ouvre pas. Oh, évidemment. Je savais que c'était trop facile. Merde, les options. Tirez-vous, les portes plâtrées ne vous protégeront pas de l'explosion d'une fusée. Ok, alors on annule. On se casse. On va ouvrir cette trappe. Qu'est-ce que tu dis? Écoute ton père, petit. Vous ne pouvez pas rester là. On a accepté la mission. Alors on continue. Test de mise à feu. Oh putain. Test
Les cinématiques sont moins jolies, hein. C'est la dernière fois que je te suis comme ça. Ouais, ouais, on dit ça. Allons ouvrir cette trappe. Alors, c'est quoi le plan? Je sais pas. Il doit y avoir des commandes manuelles. Ah putain, j'ai pas de munitions. Trouvons un moyen de monter. J'ai pas de munitions. Qu'est-ce que je fasse? J'ai rien. Ah si, 73. C'est quoi 73? On doit franchir ce trou. J'arrive. Ah, enfin. Je peux pas. Il n'y a pas moyen d'aller chercher des armes. Des munitions. Beaucoup. Ah ouais, ils ont pas mis beaucoup d'armes, hein. De munitions. Hein. Faut aller chercher les munitions. Je peux rien faire. Hein. Je suis à court. Monter les escaliers, récupérer un peu de la vie. Voilà. Comment je peux faire pour les munitions? Ah mais j'en ai plus du tout. Je suis à court. Impulsion. Rien à là-bas. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais... Attention à l'explosion! C'est à moi maintenant! Ok. Là, c'est pas trop mal. Il est où ce con? Ouais, il va pas être content, hein. Ouais, c'est sûr. Et il est où? Je le vois pas. Je le vois pas. Ah, je le... Ah oui. Oh merde, il a déjà pleuré. Rapport.
Mais là, j'ai compris la technique. Bon, je crois que je vais reprendre la manette parce que j'ai mal au tour. Il y avait le clavier, je suis trop près. Je suis trop près. Je vais rapprocher un peu le micro aussi pour qu'on m'entende. Alors, j'espère qu'il vous plaît ce jeu. Pour ceux qui sont là. Bon, ben là, on doit aller où? Parce que les sauts, apparemment, on peut pas en faire. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire hein? Et je crois qu'il faut que j'appuie quelque part par là, mais je sais plus où. Dave, abaisse la plateforme. C'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On va avoir chaud au cul. Hein. Vite. Abaisse-la, Dave. On va avoir chaud au cul, hein, je vous le dis. Ça a combien de moteurs une fusée en général? En général, 4. Je vous le dis. Oh, sérieux? Non, bah... Attends. Oh. Oh putain! C'était vraiment pas une bonne idée de venir ici! Arrête ça! Là on fait quoi? On sort pas. Les quoi? Ah oui. J'ai trouvé. Oh putain. Les rejetons sont partout. Ça n'aura plus d'importance. Les rejetons. Oh putain, c'est quoi qui s'est passé? Par contre, je sais pas si c'est pas un peu fort. Allez. Lancement dans 15 secondes. Attendez, je vais baisser un petit peu le son parce qu'il est encore trop fort. Je trouve qu'il est un peu fort le son. Pousser pour parler, pourtant j'allais baisser. Quatre. Peut-être mon casque qui est trop fort. Voilà. C'est peut-être moi qui ai un son trop fort. Voilà. Lancement dans 10 secondes. On n'a pas le temps, allez!
Dave est encore dedans. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est juste un robot. Mais c'est pas sa faute. 2, 1. Voilà. Décollage. Putain, la fusée, je te le dis pas. Hein. Je vous dis pas la fusée. On aura tout vu. Ah, il est vraiment, vraiment magnifique ce jeu. Il est magnifique. Je... Sam, on est prêt pour l'extraction. Le gameplay, tout est beau. Hein. Ça, c'est des super jeux que j'adore. Ah, j'adore faire ce jeu. Il est un petit peu galère, mais bon, ça, ça va. Il n'est pas énormément galère non plus. Il y a pire. Mais c'est surtout que... Voilà, quoi. Bienvenue, les enfants. Et là, on n'était que dans le prologue. Ça fait 2 heures. Elle est pas super contente. Non mais j'ai eu du retard quand même. Hein. Maintenant qu'elle a fini de hurler sur moi, elle veut tous vous voir. Sans exception. Bien reçu, contrôle. J'ai quand même eu du retard. Je précise. C'est l'heure de la leçon de morale. J'ai commencé à 8h20 au lieu de 8h. Et je serai obligé de finir à 11h quand même, mais bon. On verra à quelle heure on finira. James, et si je parlais à Jean d'abord? Histoire de calmer le jeu avant que tu la briefes. Ne me dis pas que le sergent Phoenix est devenu diplomate. Appelle ça comme tu voudras, seulement on est en guerre, même si ça se voit pas encore. On doit être sur la même longueur d'onde. Oui, c'est sûr, enfin, si tu penses que c'est mieux. Vas-y. J'aurais apprécié que tu sois aussi coopératif quand on était au silo. Ça a pourtant marché, non? Écoute-moi, James, un conseil. Arrête de vouloir être le meilleur. Ne fais que ton boulot. Papa, j'ai pris un risque nécessaire. Nécessaire, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre option. C'était pas nécessaire. Et tu le sais. Qu'est-ce qu'il faut? Oulala. À ton avis, la même chose que d'habitude. C'est juste qu'il tient à toi. Pourtant, j'ai bien l'impression qu'il tient beaucoup plus à toi qu'à moi. Ok, ouais. Bon, nous, on va à l'intérieur. Viens. C'est dégueulasse de dire ça. Ouais. Je... Désolé. Tu sais... Vous vous ressemblez bien plus que tu ne veux l'admettre. Les données sont devant toi, Damon. Mais attends, c'est fini? Je pensais que ce satellite se connecterait automatiquement aux anciens. Il n'arrive pas à les trouver. En l'absence d'envoi régulier de télécommande, la précision du suivi se dégrade. Merci beaucoup, Iris. L'intonation de ta voix ne correspond pas au sens littéral de tes paroles. J'en déduis qu'il me remercie. Tais-toi, pitié. Bon, j'ai pas encore réussi à localiser les autres satellites du rayon de l'aube, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai accidentellement créé une IA qui comprend le sarcasme. Tiens, le disque dur que tu voulais, ça t'aidera peut-être. À trouver les satellites? Je pense pas, mais je regarde ça. Attends, on a fait tout ça pour rien? Oh non, il va tirer. Mais avec un seul satellite en l'air, ça va être dur de contrôler le faisceau. Qu'est-ce qu'il a, Dave? Dave a des petits problèmes. Ah, mais quoi comme problème? Des problèmes sentimentaux. ce genre-là. Ah, je sens que je vais regretter ça. Les gars, voici le nouveau Jack. Où est-ce que t'as trouvé le temps de construire ça? Où j'ai trouvé le temps de construire ça?
C'est mon boulot. Je m'efforce de créer des trucs que vous négligez tous et que vous finissez par casser. Et il a quoi de différent, celui-là? Nouvelle palette de comportement, meilleur scanner, armement supérieur et module de soutien. Il est unique en son genre. Et là, il est à vous. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un milliard de satellites vieux de 40 ans à retrouver. Il n'y a au total que 15 satellites. Merci, Iris. Encore un exemple de sarcasme à ajouter à ta banque de données. Avant de commencer, Démon, le module de combat que tu as brillamment conçu est désormais prêt. Bon, alors, ah oui, là, qu'est-ce qu'on fait? Posant tout de suite. Ok. Au combat comme ça. Non, je sais que ça va. Allez, on le suit. Ça équipera Jack de ce que j'appelle le flash. Il aveugle et étourdit l'ennemi. Ça? Nouvelle capacité découverte flash. Ok. Jack met le flash et étourdit l'ennemi. Putain, je regarde. Ah, ok. Je regarde bien. En effet. Bon, ok. Équiper une capacité. Jack a de capacité d'assaut, une capacité. C'est à la fois. Alors, le menu de Jack avec métier et capacité, on sait bien, s'appuie sur A. Bah là, il n'y a pas 36, hein. Ou le menu de Jack, attends. Voilà. Équipé, voilà. Installé. Et c'est parti. Alors, comment ça marche? Je vais vous montrer. Suivez-moi. C'est qu'on va faire de l'entraînement. Bon, prends une arme et mets-toi à couvert. Je vais lancer le test. J'étais sûr. J'étais sûr qu'on allait faire de l'entraînement. Non, c'est pas là-bas. Ouais, je mets où? Ben, c'est le test. Si je mets pas à couvert, je peux pas lancer le test. Couvert, c'est comment? Iris, active la séquence alpha 3-3-1. Imaginez qu'une cible commence à prendre racine à couvert. Le flash de Jack permet de régler le problème. Vise le devbot et active-le. Verra. Félicitations. Tu n'as pas fait l'exercice. D'abord ok. Le flash, et après tu détruis les devbots. Iris, on recommence. Assaut sur les cibles. Raté. Rechargement initialisé. Oh. Tu sais, ces devbots sont pas gratuits. Utilise le flash cette fois. Iris, on recommence. LT pour maintenir une cible et surveiller, puis appuyer sur utiliser le flash. LT. Oh, attends. Arme rechargeable. Flash. Bien, achève-le. D'accord, c'était Y qui aurait appuyé. Maintenant, on va essayer avec des cibles multiples. Iris, active la séquence alpha 3-3-2. Ok. Jack doit rediriger l'énergie entre les flashs. Quand il sera rechargé, vise-le à nouveau. Attends, des cibles multiples. Ah.
téléchargement Jack, initialisé. Jack. Oh, deux d'un coup. Joli. Jack n'est pas prêt. Début de rechargement. Je recharge. J'appuie sur le flash, il marche pas. Ok. Non mais c'est bon. On va pas faire ça toute la soirée. Ah Cruciol, comment vas-tu? J'ai fini un truc et j'arrive. Ok, ok, bonjour Cruciol quand même. Bon bah écoute, c'est bon hein. On va charger ça là, je sais pas ce que c'est, mais ça me dit que là il y a de quoi faire. C'est tout? Ah, t'as vu le chargement qu'il y a? Oh, non, non, ton test. Non, c'est bon. Séquence de test terminée. On va pas faire que des tests. Pas idée, mais Jack est mon meilleur ami maintenant. Je suis content pour vous. Mais je voudrais que vous reposiez vos armes sur le râtelier et que vous fichiez le corps. Maintenant. Ah, l'enfoiré. Il veut pas qu'on les garde, les armes. T'as remarqué? Au fait, tu peux améliorer les capacités de Jack avec les bons composants. Avant d'aller voir Jean, passez par l'armerie. Et un autre composant, vous pouvez emprunter. Oh, ça, on n'y manquera pas. Yeah. Alors, il faut aller à l'armurerie. Ce que Damon vous dit, c'est qu'il a des choses plus importantes à faire. Merci, Iris. La franchise est vraiment une des plus grandes qualités. Iris, elle en prend plein la gueule. Plus tard, Baird. Allez, les gars. Pas de soucis. Faites ce que vous avez à faire. Allez. Ah ouais. Hé, hey, Faz. Alors, c'est comment d'être le larbin de Jean? Super. Et puis, on peut pas tous partir. Oh, mission secrète. Ah ouais? Et comment tu sais ça? Ici. C'est une armée. Pas ouais, ok, mais moi, je vois qu'il faut surtout pas te déranger pendant ton combat épique contre cette machine. Fin de l'entraînement. Attends un peu, bâton merdeux. Bâton merdeux. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas. C'est peut-être une brosse à chiottes d'un nouveau genre. Ou juste un bâton fait avec de la merde. Ok, va te faire foutre. On va rendre les choses plus intéressantes. Bâton merdeux. Toi et moi. Bâton merde. En quoi ça serait intéressant? Il faut que je la garde, celle-là. Oui ou non? Tu veux jouer? Quelque chose me dit que ce que vous allez mesurer, c'est la taille d'un organe que j'ai pas. Alors, je crois pas. Trop drôle. Alors, c'est oui ou c'est non? Oh, c'est oui. Allez, mec, on récupère le module de Jack et on se tire. Non, ça va être drôle. Ouf. Alors, tu trouves ça toujours aussi drôle? Essaye encore, Faz. Allez! Tu sais quoi? C'était le Bob qui s'entraînait avec toi. Mais il peut pas te battre. C'est pas dans son programme. Et ça explique... ton excès de confiance. Et un tas d'autres choses. Tu veux un conseil, Phoenix? Merci, non. Jean a toujours eu ses chouchous. Mais il dure jamais. Tu vois, c'était drôle. Va te faire! Oh, c'est passé. Allez, directement, hein. C'est fluide. Hein. On peut aller chercher ce composant. Ouais, aller rechercher ce composant. C'est hyper fluide. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on en est passé de. Ah, c'est là. Alors, le composant qu'il faut que je prenne, c'est celui-là qui est derrière. C'est celui-là, là. Le composant qu'on emprunte. Le volet ? Je préfère emprunter. Indéfiniment. Composant trouvé. Voilà. Revoilà. Alors, comment vas-tu ? Ok. Alors, attends. Composant.
Surbrillance, appuyer. Ouais. Et alors? Attends. Attends. Il y en a un autre composant? Non, non. Améliorer. Ouais, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Ouais, je sais pas où il est. Hein. Qu'à regarder. Hein. Allez, je sais pas. Bon. On est en plein Gear of War 5. Il est dans le Game Pass, c'est pour ça. Ouais, papa a dû passer assez de temps tête à tête avec elle. D'ailleurs, tu dois le savoir. Elle est beaucoup plus puante. Ah, ok. Ben moi, si tu veux savoir, j'ai bien avancé sur le tout petit jeu que je suis en train de faire avec les formations, enfin sur les tutos Unity. Et puis la formation et tout. Enfin, mes découvertes du développement, on va dire. Hein, en plus profond que ce que je connaissais jusqu'à maintenant. Et là, j'ai un petit ennemi. Un petit jeu à la Mario, pixel art. Donc ouais, c'est sympa. Voilà, c'est vrai que là, je sais pas par où on sort. Je suis capable de me perdre. Oh Kate, ça peut pas continuer comme ça. Il faut que tu vois quelqu'un à propos de ces migraines. Je vais le faire. Non, on peut pas passer. On peut pas passer. Il était auteur de Xbox l'année dernière. Ouais, il y était aussi. Ah ouais, mais c'est l'année dernière, je crois qu'il est sorti. Et là, il est toujours dans le Game Pass. Hein. Il est excellent, ce jeu. Attends, on va prendre cette arme. Parce que moi, je pars toujours à la guerre sans armes. Hein. Ah, mais t'as, c'est pour sortir que c'est la merde. Voilà, là, j'ai aucune idée. Je me rappelle plus. Je l'ai fait la dernière fois. Et je me rappelle pas comment on fait pour sortir. Putain. Ouais, j'ai galéré pareil. Hein. Voilà, mais il n'y a rien pour sortir. On peut pas cliquer là, si. Non. Pour que ce soit bleu. Sur Xbox, si, il y est. Je pense qu'il y est encore. Ah oh, si, c'est sur PC, il est sur Xbox. Hein. Ça, il faut pas le prendre, non, ça. Ouais. Je sais pas du tout comment on fait pour sortir. De l'armurerie, comment on fait pour s'en sortir? Parce que là, il n'y a rien. Il n'y a pas de sortie. Hein. Il y a des portes, mais elles sont toutes verrouillées. Alors, j'essaie de calculer un peu. Celle-là ou celle-là là-bas? Bon, lui, il est dans ce sens. C'est que ça doit être dans ce sens. Ouais, vas-y. Montre-moi le chemin, comme on dit. Ouais, mais je fais quoi que pour ouvrir? Ah, attends. Si, je crois savoir. Ah non. Je pensais que c'était là. Non. Merde. Merde. Comment on fait pour ouvrir?
Ah ben voilà. Ben, j'y suis passé tout à l'heure, c'était fermé. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Je veux être parfaitement clair. En ce qui concerne cette arme, je ne partage pas votre optimisme. C'est bien la première fois que quelqu'un m'accuse d'optimisme. Oui, soit. Mais je vous rappelle que votre femme était opposée à l'idée de réactiver le rayon de l'aube. J'aurais pensé que vous respecteriez la volonté d'Anya. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ce sera mieux pour nous deux. Anya aurait voulu que vous... Je vous interdis de parler d'elle. Si c'est ce que vous pensez, je ne discute pas. Il faut pas, vaut mieux pas. Vous et votre saloperie de programme de fertilité. Un programme qui vous a donné un fils. Ainsi qu'à moi. J'honore Anya. Et j'aimais Anya. Il vaut mieux de mettre les lunettes, moi. Peu importe que vous me croyez. Crucial, mettez les lunettes. Quand mon programme était à ses débuts, elle est venue me dire, en tant que volontaire. Je les ai, mes lunettes, je les ai oubliées. Quand les gens ont vu que la ministre Stroud suivait le... Ah, mais c'est pas des lunettes de vue. C'est des lunettes pour les jeux. Les écrans. Grâce à elle. Ouais, mais là, c'est pas grave. Elle aurait dû être enterrée ici. Avec les tout-puissants. Les gens ont besoin de cette inspiration. Cette inspiration était ma femme. Madame la ministre... C'est un jeu qui est excellent, après... Il est chaud à jouer quand même par moment. Par moment, c'est hard. Hein. Lieutenant, on m'a dit que votre mission s'était bien passée. Écoutez, je peux vous expliquer. Je vous écoute. Expliquez-moi pourquoi Damon Baird m'a remplacé. Et pourquoi vous avez cru bon de vous passer de mon autorisation pour déployer un satellite du rayon de l'aube. La même longueur d'onde, hein. Lieutenant, le rayon de l'aube a fait plus de victimes dans nos rangs que la plupart des armées que nous avons combattues. Votre père est bien placé pour le savoir. C'est pas des armes dont je me méfie, madame la ministre, et de ceux qui les utilisent. Méfiez-vous des ministres. Je le dis toujours, méfiez-vous des ministres. Il est hors de question de réactiver le rayon de l'aube. Et alors on fait quoi? Ça doit être le rapport sur l'évacuation du camp numéro 2. Vous évacuez le camp numéro 2? Pourquoi? Il y a de l'activité dans le cimetière voisin. Chef Carmine, au rapport. Voilà, on se fait attaquer! Il nous faut de l'aide immédiatement! Carmine, là on ne vous entend pas bien. Tu crois qu'elle a le temps de raconter sa vie? Envoyez la 4ème division. On prendra le commandement des renforts. Faites-le, vite! Tu crois qu'elle a le temps de raconter sa vie? Fils des cons! Ah, c'est déjà le chapitre 3. Attention, rien ne doit rentrer par la porte principale. C'est que le premier, c'est moi le plus haut gradé ici, hein. Là, on rejoint Carmine au centre pour lui filer un coup de main. Ouais, du coup, je fais un mini-jeu, un petit jeu à la Mario. J'arrive pas à croire qu'on soit de retour ici. Pixel. On sait notre devoir. Essaie de passer à autre chose. T'es sérieux, là? Les gars, c'est pas le moment. Et à côté de ça, je vais en faire un autre. Oh putain, là ça va pas faire du bien. Oh, c'est quoi ce truc? Oh merde! Accrochez-vous! Ah ouais, tu l'as dit. Sortez, allez vite! Dale! Cours! Dépêche-toi! Putain. Là, je crois que je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Oh putain, c'est quoi ce truc? À dégager. Putain. Putain de rejeton. Je déteste ces trucs. J'y vais, Cole. Vous allez bien? Je vais bien.
j'ai un putain de faucon sur le dos. Alors non, je vais pas bien. C'est très scénarisé quand même comme jeu. Bon, il serait temps que... Ça serait bien qu'on me sorte de là, là. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Oh, qu'est-ce que je fais? C'était le dernier. Merci. Maintenant, sortez-nous de là. Merci, merci de m'aider. Je joue à Cold War en ce moment. Ah ouais, Cold War. Merci. Call of. Merde, écoute, notre faucon s'est écrasé. En mode campagne ou multijoueur? La campagne, je l'ai vue, elle est pas mal, mais un peu spéciale quand même. On est en chemin. Allez Delta, on se casse d'ici. Ouais, on va essayer. Je t'ai pas dit qu'on va y aller, on va y arriver. Tu as dit on se casse, on dit. Hop, 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 hop. Composants trouvés, afficher les compétences, amélioration. Ben ouais, mais j'ai que ça. Ce que je trouve, on le voit pas. On doit être mieux amélioré. Ouais, j'ai pas. Je sais pas ce que j'ai ramassé. Fait quoi ça, amélioration des systèmes principaux de Jack? Ah. Ça. Bon, ok, j'ai compris. Mais ils sont passés où? Marcel, Raymond, tout ça. Juliette. Et toute l'équipe, Joseph. Je sens que là, ça va pas faire du bien. Ah, c'est là où il y a l'hélico. Campagne multi et multi zombie. Oulala, la totale quoi. Ah, tu veux le finir, tu le feras en entier comme ça. Enfin, le multi, tu sais qu'on finit jamais. Hein. La campagne, ouais. Un zombie aussi, ça dépend des zombies. Ça dépend c'est quoi que le zombie, j'avais pas vu encore ça. Bon, je sais pas où il faut que j'aille moi. Hein. Attends, par là. Je sais pas comment on sort là-dessus. Non, tu peux pas sauter. Les autres se font massacrer. Ah, voilà, peut-être. Ok, c'est bon. Putain. Point de ravitaillement, ok. Je sais pas où je suis atterri, mais... Ah oui, oui, oui. Putain. Unité en détresse. Oh merde. Merde, un Wehrmacht attaque notre position. Ouais, mais il est un peu gros, lui. Hein. Vous leur laissez son compte, rejoignez Carmine. Ça marche, dès qu'on aura fini ici. Ces drones sont retranchés. Jack, balance ton flash. Il est un peu gros, quand même, le type 1. On dirait des groupes de death metal. Chante pareil. Wow, la tête. La tête, je l'ai bien éclatée. Hein.
Merde. Horrible. Je crois que je l'ai eu, non? Non, je l'ai pas eu. La campagne, je l'ai fini. Ah, tu as fini la campagne. Il te reste plus que le zombie, le multi, quoi. À tous les camions, rendez-vous immédiatement au centre. Aucun arrêt. Lizzie, ici Delta. Il y a un Wehrmacht dans la ville. Tiens ton convoi à l'écart. Oh, Delta, et moi qui voulais lui tourner autour. À mon avis, avoir le Wehrmacht, ça sera plus difficile. Delta, terminé. On va monter, je suppose, parce que si je descends, fais voir. Là, je regarde. Ça fait un peu haut, hein. Ça fait un petit peu haut. Bon, on verra bien, on va monter en haut. Attends. C'est quoi comme arme? Ouais, pas mal. Oh putain, je me pétais la gueule. Oh, oh la cabriole que j'ai fait. La cabriole. On peut pas passer par là, non. Bon, alors là, je suis un petit peu... Putain, pour où on passe? Parce que j'ai remarqué qu'on peut pas sauter. Ouais. Non. Là, je sais pas comment on fait pour monter. Passer de l'autre pièce là-bas. Non, on n'y va pas. Là, il n'y a pas une porte, non. On voit d'évacuation. Pour rouler comme ça, c'est sûrement l'Isie. Mais ce que je pensais, il fallait passer par là. Le problème, c'est qu'elle le sait bien. Reculez tous. Oui, oui, oui. Oh. Oh merde, désolé lieutenant. Ta formation se déroule bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Ouais, ouais. On a perdu nos devbots et on a des civils à l'intérieur. Et on travaille sur des jeux, hein. Lizzie, ici Delta, il y a des programmation, civils à aller chercher, jeux. Secteur 8, dans l'immeuble. Tout. Merci lieutenant. Pas de soucis soldat. Attends, je vais te laisser 5 minutes, je vais pisser un coup, moi. J'aime pour 5 minutes. Nous revoici. J'ai perdu la manette. Ah, non, elle est là. Parce que alors, si je perds la manette. Hein. Ah, alors, qu'est-ce que s'est passé là? Il n'y avait plus rien. Ok. Comme tu dis. Non, franchement, ouais, c'est. Ah, puis tu sais, je travaille dans ce que j'aime, quoi. Désolé de vous avoir les jeux vidéo, c'est... Le développement, la création, on apprend des choses. Vous êtes là pour nous évacuer? Non, mais un convoi est en route. J'ai découvert pas mal de trucs. Hein. Ah.
Des balles. Parce que si on s'emballe, hein, on peut pas faire grand chose. Hein. Faites attention à tout. Compris. En avant, Delta. Oh putain, c'est quoi ce truc? Oh, ça, c'est pas trop bon pour moi. Oh putain. Laissez tomber, contrôle. Je m'en suis occupé. Deathbot, on doit sécuriser cette rue. Oh là là. Oh bah merde alors. T'es vraiment cinglé. Comment ah ouais. On peut aider? Delta, dégagez la rue, sinon on sort pas d'ici. Allez, vous l'avez entendu? Au boulot. Ouais, mais là je suis déjà mort. Attends, déjà on va s'occuper de lui là-bas. Merde, je donne un coup de main. Oh merde, c'est quoi ce arme de merde? On a besoin de renfort. Merci Delta. Oh putain, quoi, je l'ai fait sauter. Phoenix, pour la dernière fois, c'est moi le plus haut gradé. Alors c'est moi qui décide si on a besoin de renfort. Ok, ok, je m'en occupe. Garde l'explosion. Attends, lui, je vais l'avoir. C'est bon, il a vu. Ça n'impressionne pas, l'autre elle te sort ça comme ça. Il marche trop, il recule trop ses armes. Personne n'abîme mes camions. Y'a que moi qui ai le droit de faire ça. Les armes. Les Lanzor sont plus. Les Lanzor sont mieux, je crois. Pilonnez-les, ne les lâchez pas. Ok, il est mort. Attends, faut que je sois près d'un mec, comme ça il peut me sauver quand je... Oh putain. Oh, que je suis con. Ouais, c'est bon, il l'a tué, mon pas. Excuse-moi, chérie. Oh, tu vas. Ah, dégagez. Un peu de balle, ça fait pas de mal. Et comment va Socrate? Et bien sûr, 7. Je sais plus lequel c'est, Socrate, si c'est le noir ou si c'est le gris. En forme. Gardien à voler. Sutani demande des sentinelles. Oh, ah bon. J'envoie ça. Cette chose est morte. Gardien, sécurisez cette rue. Ils viennent de manger. Ah ouais. On pourra pas charger les civils dans ces camions s'il n'y a plus de camions. Ah, ça c'est sûr. Ouais, je change pas d'arme parce qu'il me va bien le Lanzor. Ouf. Ouais, mais ça c'est les sentinelles. Ah ouais. Socrate, c'est le noir, non? Le Socrate. Après, on va tomber sur les gros, non? Je suis sûr qu'on va tomber sur les rouges, là. Il me semble. On va rigoler. Cette chose est morte.
Il meurt jamais lui. Putain Delta. Voilà, mais il est mort. Quel truc. Bon, il n'y a pas d'autre arme. Ah, et ça c'est excellent. Rejoindre Lizzie. Elle est où la petite? Une petite. Je sais pas où elle est. Hein. Hé, hey, la rue est dégagée, mais pas le toit. On a un fauve. Oh putain, c'est quoi ce truc? Fais gaffe à ces piquants. Oh con, attention à ses copains. Avant de rejoindre Lizzie, il faut des fois dégager la rue, comme on dit. Oh putain! Attends, je cours le portail. Ah merde, c'est le B. Plus d'armes. Attention à sa queue. Wow. Ça a fait du mal. C'est bon, on les a eu. Ça a fait du mal. Merci beaucoup. Elle a du recul cette arme. Ah ouais. Ah oui oui. Qu'est-ce que c'est ça? Voler à L4. Prête à partir? Parce que c'est puissant, ouais, ça. Faut juste que j'arrive à démarrer cette. Delta, l'escouade de Carmine s'est fait encercler. Ils sont réfugiés dans la tour avec les civils. Si vous n'allez pas vite les aider, ils s'en sortiront pas. Ok, donc il faut que je me casse par où? Ils ont besoin de vous au centre, allez-y. Vous pouvez passer par le parc. Le portail est à côté des marches. Ok, vous l'avez entendu? On bouge. Il marche. Eh bien, on peut pas louer le portail. Ah, à côté des marches. C'est pas celui-là, alors. Bon, il n'y a pas un portail, il y a un autre portail, ben, il n'y a que celui-là. On peut pas louer, il y a une chaîne. Il doit y en avoir un autre. Attends. Non, il n'y a rien là, on peut passer. Tout est, oh putain, tout est détruit. Et détruit. Putain, j'ai une arme, mon bro, je te dis pas la taille. Hein. Je ne sais même pas ce que c'est. Ouais, ben le portail. Attends, il y a pas un truc. Non, il a dit le portail à côté des marches. Ouais, ben c'est celui-là. Bon, mais il faut trouver un moyen de l'ouvrir. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'avais pas vu le dessin. Voilà. J'avais pas vu le dessin. Game dessus. Ouais. T'es quelle heure il est que je j'aille pas trop tard. Oh, déjà 10h30, putain. Ça passe vite. Quand on s'amuse, ça passe vite. Saleté, game dessus. Hop, saleté de salaire. Ça te dérange peut-être pas de tuer des innocents, mais moi, oui. Ah ouais. Des innocents, hein? Des innocents. Les gens qui lancent des bombes incendiaires sont des innocents. Je m'en souviendrai. Tous les deux, lâchez l'affaire. Ils arrêtent pas de se disputer, hein. Putain, bon, les armes qu'on a. Puis alors, les costumes aussi, hein, ça va, ils sont... Attends, j'ai entendu parler de ça. C'était vous trois? Pas nous trois. L'un de nous a réussi à garder le contrôle. Ils sont costauds. Qu'est-ce qui s'est passé?
On a identifié un élément rebelle et on l'a éliminé. Non, toi, t'as ouvert le feu sur des manifestants. Des fois, faut purger le troupeau. Oh putain. Oh, j'ai mal au dos. Je sais qui je purgerai dans ce troupeau. Ouais, bon bah écoute, on en reparlera demain. Vous en faites pas, c'est du passé. Dans l'immédiat, on doit terminer l'évacuation. Ouais, carrément. On va essayer. Oh, c'est là-bas qu'il faut aller. Non ? Voilà le centre, juste devant. Merde, ouais. Carmine a vraiment besoin d'aide. Il n'y a pas d'autre solution que de passer par là. Hein. Et la ville est complètement détruite. C'est trop bien fait. La vermine détruit aussi nos condors. Ouais, je parie que c'est ce putain d'Ermac qui l'a abattu. À chaque condor abattu, on perd des renforts. Où je suis atterri, moi? Ah non, là t'es au bon endroit. Et je sais pas où j'avais atterri, mais... Oh merde, un écumeur. Si ce truc atteint le centre, les problèmes de Carmine vont pas s'arrêter. Attends, on va prendre un gros là, le gros que j'avais. Ah oh, ben je l'ai plus. Ah oh, ben j'ai que ça. Ça va pas être excellent. Les écumeurs en plus. Putain, les rejetons, les écumeurs. Putain. À dégager. J'ai qu'une chose à dire. Ces saloperies de kamikazes doivent dégager. Saleté de T9. Allez, pas que les T9. Entre les écumoires et. Les écumeurs. Les écumoires. Les écumoires. Les écumeurs, les rejetons. Les rejetons. Cible abattue. T'as un problème, toi? Une cible en moi. C'était le dernier. Delta, ah, Carmine est à nouveau joignable. Je vous le passe. Félix, il me reste plus qu'une escouade de Deathbot. Qu'est-ce que vous foutez? Oui, qu'est-ce qu'on fait? On arrive. On arrive, on va essayer d'arriver. Les Deathbots de Carmine n'ont pas dit leur dernier mot, on dirait. En avant! Putain. Ouais, mais moi je suis qu'avec un fusil. Carmine devrait se planquer dans cette tour avec les civils. On va leur montrer à ces Deathbots. Nettoyez-moi la place. Alors, attends. T'as sur ta tête, toi. Excusez-nous, toi. Oh putain. Ouais, en plus c'est des gros. Je suis obligé de me rapprocher. Putain. Terminez pas. Ils ont pris la tourelle. On s'arrête pas. Oh. Merde. Ouais, je te vois. Accroche-toi. Il y a pas de mitraillette à moi. Ouais, c'est par là. Vous aimez les surprises? Parce que j'en ai une belle. Oh ben là c'est pas moi qui dégomme. Waouh, comme je te l'ai eu. Comme j'y ai défoncé la tête. Hier j'étais sur un jeu japonais. J'étais sur Yakuza. Yakuza 0. Yakuza 0. Oh, attends, là, je vais pas passer. Attends. Je charge des balles, hein. Il est où ce salopard? Je suis à terre! J'en ai eu un!
Oh putain. Ouais, j'arrive. Il est mort. Ah oh, putain, mais c'est pas vrai, c'est lequel qui marche. Merde. Ouais, je sais pas les classés qui marchent à chaque fois. Ouais, ça fait deux fois qu'il met sur coup sur coup. Et Carmine devrait se planquer dans cette tour avec les civils. On va leur montrer à ces devbots. Nettoyez-moi la place. Putain. En plus, je peux pas me baisser, je sais pas comment on fait. On s'arrête pas. Ah mais trop loin je suis. Grenade. Ouais, mais par là. Vous aimez les surprises? Parce que j'en ai une belle. Là, ça va être difficile à laver, celui-là. Tu peux te planquer dans des murs. Ouais, ouais. J'appuie sur LB ou je sais pas quoi. Ouais, il faut que je monte sur les. Ouais, comme ça. Putain, je l'ai pas eu. Et si ça met trop loin, j'arrive pas à l'avoir. Ça va péter! Ça a pété, ouais. Il a, et pour lui, il a essayé de péter dans la gueule. Ah ouais, ok. Ah, j'ai vu où il est celui-là. Ils ont pris la tourelle. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Oh. La tête. De quoi? Ah oui. Faut se planquer. Cible abattue. Ok. Attends. C'est qui sont les autres? Parce que là j'en ai un. Charge l'arme. Attends. Explosion. Voilà, toi tu me comprends plus. Il me tire dessus depuis tout à l'heure. Quoi, je. Quoi qui tire là? Il tire avec quoi là-bas? Ah putain, mais là-bas on pourra pas y arriver. Il n'y a qu'une mitrailleuse. Hmm.
pas moyen que Jake fasse quelque chose. Ouais, je peux rien faire. Là, on est bloqué. Quoique tout doucement. C'est du bon boulot, Delta. Carmine, la place est dégagée. Bon. Merci Delta, mais d'autres ennemis. Oh, les balles. Hey, notre kit de largage est toujours disponible. Alors profitez des lanceurs de merde. Wilco, protège les civils. On gère la situation ici. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, des lanceurs LG. Bordel, mais où est-ce que Berthe trouve le temps pour tout ça? Allez, c'est quoi pendant que... Et quand je fais pour passer? Ouais, il faut que je passe par-dessus. Voilà. Je pense qu'il faut que je prenne la mitrailleuse, moi. Hé, je t'ai dit de te servir pendant que c'était chaud. Tu vois pas que c'est en train de refroidir? De quoi? Des Lanzor? Non, c'est des Karomax. Lanzor. On a des Lanzor. Ah, on a ceux-là. Ceux-là, ils sont pas mal. Ils arrivent! Allez, Delta, on va les allumer! Ah ouais. Alors comment faire? B, puis relâcher pour viser. Non, mais c'est LB, pas RB. Pourquoi il marque LB? Tu crois qu'ils sont là? Les ai liquidés. Ah putain. Efficace cette arme, je le marde. Ah ben voilà, on a fait le ménage. J'allais être host, mais c'est automatique. Ah ok. Ah, je suis en host là. Là tu m'as hosté. Ah ok. Merci quand même. Oh putain, y'a plus rien, y'a plus de balles là, j'ai machin. Yeah, putain, mais ils sont partout! Il y a longtemps que j'avais pas fait un jeu comme ça. Quoi que hier, ça me dit. Ouais, hier et avant-hier, ça discutait plus que. Il y avait de l'action, il y avait un peu de karaté, mais. Pas autant que là. Là, c'est. Ça va péter! Oh putain! Merde, j'ai plus de balles. Mister. Ah, c'est le genre de soirée qui me plaît, ça. Non, je vais prendre la mitraillette. Je peux pas prendre la mitraillette. Le quoi? Le camp numéro 2? Tiens, on dirait que t'es mort. Il compte les camps, lui. Je suis de dos, je suis mince. Bonne fin de live. Ok. Bisous. À la prochaine. Au prochain live. Demain, si tu passes. Sinon, au prochain live. Bonne soirée, fais des beaux rêves. J'arrive pas à l'avoir la mitrailleuse. Parce qu'en fait, pour le moment, je peux pas l'avoir. Oh merde! Ils sont de partout, hein. Des types. Ils lâchent pas l'affaire, hein. Planquez-vous! Ça. Ça charcle. À qui le tour, bande de nazes?
Les comment on appelle ça? Les foreuses, je crois pas. Putain. Des quoi, monsieur? Ouais, baby! Nous rejetons. Allez chercher le mot. Chercher le mot. Il est là-bas. Blessé. Il est blessé. Bon bah alors Fikilo. Sauvez-nous. Bientôt mort. Cette chose est morte. Voilà. Termine. Mais je peux pas la prendre, j'arrive pas. Ça va marcher. Mais non, j'arrive pas à la prendre. J'arrive pas. J'arrive pas à la prendre. J't'attends. Non, il y a pas moyen. Je suis à terre. Moyen de prendre la mitrailleuse. Comment on fait pour la prendre en tourelle? Il faut que je me mette bien de face. Ok. Bonne nuit. Il n'y a pas eu. Ils arrivent par midi. Hein. Ils arrivent par midi. Yeah. Ah putain, mais c'est vrai. J'arrive pas à prendre sa mitrailleuse. Hop. Putain, mais elle arrive encore de partout. Hein. Elle arrive là? Non, là il arrive plus. Ok. Ok, ok. Neutralisé, non, c'est pas fini.
Il y en a. C'est la horde. Je crois qu'il y a le mode horde, non? Oh putain. Là, ça va être chaud. Ça va Oh putain! Je suis à terre! Oh putain! Merde! Putain. Oh, il faut que je trouve des munitions. Je t'aurais mis. Ah, tu veux pas me lâcher? C'est bon, j'arrive! C'est parti! Oh, c'est quoi ce truc? C'était quoi ce péché que j'ai eu? Il n'en reste plus qu'un! Ok, après on va être obligé. Bon, cette fois, je crois que c'est fini. La voie est libre. Je crois que c'est bon. Oh, loup bleu, qui arrive maintenant. Restez en retrait! Tirez de loin! Comment vas-tu? Cette chose va pas m'avaler! Y'a pas moyen! Oh merde, j'ai perdu le chat. Oh, il est passé où le chat? Voilà. Pas longtemps que t'as des trucs? Ah, non, pas trop longtemps. Aidez-moi! Il est vraiment trop moche celui-là, hein? Lequel? Ah ouais, celui-là il est moche. Ouais. Putain, je tire droit à côté. Viens par là, mon pro! Oh putain. Oh non! Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Ouais. Tenue à la guerre. J'espère qu'il faut pas que je refasse tout. Non, cette fois, je crois que c'est fini. La voie est libre. Hé hey, qu'est-ce qui est arrivé à l'écumeur qu'on suivait? Oh putain, il y a ça. Restez en retrait. Ah mais c'est bon, on a que lui. Cette chose va pas m'avaler. Y a pas moyen. Ça fait rien du tout, ça. Putain de merde, j'ai pas d'armes. J'ai pas d'armes. Allez. C'est quoi ce truc? Viens par là, mon gros. Tu crois que tu me fais peur? J'ai pas peur de toi, enfoiré. Oh putain. Je sais pas si c'était une bonne idée de le provoquer. Par ici. Pourquoi tu t'en prends pas à quelqu'un de ta taille? Quelqu'un de ta taille. Ouais, mais là, je sais pas si c'est une bonne idée de se prendre à lui.
Il a pas l'air sympathique. Pourquoi il crève pas? Mais c'est vrai, pourquoi il crève pas? Oh mec, tu fais quoi là? Putain, c'est faux. Ah, il n'y a plus de balles derrière. Laisse-moi prendre une quelque chose de puissant. Laisse-moi prendre une arme. Putain, il n'y a pas d'arme. Ah, j'ai plus d'arme. J'ai plus de munitions. Bloquez-vous! Recherche des munitions. Voilà. Quand on cherche, on trouve. Ça, j'aimerais bien savoir c'est quoi ce truc. Non, je pense pas. Oh, je suis touché. Là, ça va pas le faire si je me fais toucher. On peut pas prendre un LG Lancer. Ouais, voilà. Bordel! Gare à l'explosion! Il est presque mort, il est presque mort. L'écumeur est presque mort. C'est bon, l'écumeur est mort. Termine, la place est sécurisée. Continue l'évacuation. Ok. Ça a été chaud. Ça a été chaud. Ok les évacués, écoutez-moi. Montez vite dans les Minotaurs. Aucun effet personnel. Aucun bagage. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est 11h. Pas d'effet personnel. Carmine. Et nous reprendrons ça le prochain. Vous avez sauvé beaucoup de monde, prochain live. Ah, 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 le tueur de larves est de retour, les amis. Peut-être tueur demain. De larves, tueur de vermine, tu parles. Ah, j'ai bien aimé ce genre. Couru par mes anciens élèves. On cloque les tables. En plus, ouais, ils sont bien faits. Et. Le graphisme est de bonne qualité. La radio a lâché. Et ces gars m'ont sorti de cette galère. C'est la deuxième fois que je dois vous remercier, Félix. Oh putain. Quoi encore? Qu'est-ce que c'est, ces trucs? Ouais. Allez, là, ça va être... là, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Mais c'est quoi ça? Oh merde! Tout le monde, courez! J'étais au last mec. Ok, point de sauvegarde, c'est ici. Non, non, dégagez d'ici, c'est trop dangereux! Donc s'il faut, demain on attaquera la suite. Pardon. Chapitre 4 de l'acte 1. Je pense qu'on attaquera demain la suite. On se fera le chapitre 4. Alors là, par contre. On doit les contourner. Ouais, ça c'est sûr. Par ici. Alors. J'ai hyper envie de jouer, c'est pour ça que je joue. Bon, mais là, il n'y a pas moyen de sortir. Pas moyen de passer. Un kit cardio, et il doit contenir de la technologie de spray. Ça, c'est intéressant.
ça. Attends. On le met dans le santé. Équipé, c'est ça? Et améliorer santé, on l'a fait, c'était. L'amélioration de Jack peut nous booster pour traverser les flammes. On utilise le spray sur vous. On va traverser les flammes. Ah. Ah ah. Ah ouais. Ah, j'avais pas pensé à ça. C'est du lourd. J'avais pas pensé à ça. Et ça va pas passer d'un précipitation. Organisme introuvable dans la base de données actuelle. Type d'ennemis non répertoriés dans la base. Sécurisation de la zone. Ok, bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Attends, d'abord on va fouiller un petit peu parce qu'il peut y avoir des trucs intéressants. On va s'arrêter là. Ouais, c'est dommage. J'ai pas vu le temps passer. Pour tout vous dire, j'ai pas vu le temps passer. Ouais. Bon, allez. On va laisser place à quelqu'un d'autre. Je vais vous envoyer chez... Chez qui? Bonne question. Je vais vous envoyer chez quelqu'un, mais je sais pas chez qui. Donc je vais vous dire ça. Qui c'est qui stream? Ah, je sais, c'est vous, là, cela. C'est Ayu. Ayu Ozaki stream. Je vais vous envoyer chez Ayu. Allez. Alors, on va voir si je fais comme hier. J'aime bien quand il parle comme ça. Ok, je vous envoie chez elle. Et je tiens à vous dire merci à tous qui sont passés, à Cruciol, à Louvre, Louvre Bleu. Merci beaucoup. Et j'espère que le jeu aura plu. Bonne nuit.
Bon, allez. On fait une bonne journée. Ah non, c'est pas fini.